Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je m'excuse une nouvelle fois puisque je n'ai toujours pas récupéré mon PC, ça commence d'ailleurs à me saouler. Et donc du coup, on est dans ce format de vidéo, hein, bien entendu, j'ai essayé de faire pas mal de shorts pour essayer de combler le manque de vidéos, mais il faut également faire des vidéos en elles-mêmes hein, sur ma chaîne pour actualiser et surtout pour continuer à vous apporter des informations sur différents contenu. Donc du coup aujourd'hui pour ce faire on va faire de l'achat-revente tout simplement. Donc on va se concentrer sur les joueurs boost. Il y a eu pas mal de SBC intéressants dans lesquels on va vous demander des joueurs boost. Donc ce que vous allez faire c'est vous allez regarder le prix minimum. Donc là 21 000 hein, on prend pas en compte puisqu'il y a que 3 joueurs. Vous allez regarder à l'heure où vous regardez la vidéo hein, bien entendu. 21 500, on commence à avoir des joueurs mais pas non plus. Donc 21 750. Ouais, là 21 750, on a quand même pas mal de joueurs. Bon, on va compter 21 750, 22 000. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est se mettre à 20 500 maximum et aller revendre les joueurs à 22 000. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez voir, ça tombe pas mal. Le tout, c'est quand même de les choper. Ce que je vous avais parlé, cette année, on a un ralentissement en fait dans les menus. Et ce qui est un peu... Oh, 19 750. Ce qui est un peu emmerdant en fait parce que c'est... Là, je suis parti dans du poli en disant un peu embêtant pour partir un peu emmerdant. Non, c'est embêtant parce qu'à chaque fois on est remis dans soit le jeu fige, soit on est remis dans les menus. Alors je sais pas, peut-être c'est moi qui a que le souci, mais j'ai l'impression. Oh, vous voyez, ça tombe aussi à 16 000. Voilà. Donc vous voyez, ça tombe quand même facilement. Donc lui, je l'ai eu à 20 550, 20 500, pardon, je vais aller le remettre à 22 000. Donc vous comptez, hein, si jamais vous avez un doute. Donc là, par exemple. Je vais faire 22 000 moins, hop, 22 moins 5%. On a 20 900, je vais me faire 400 crédits dessus. Si jamais je voudrais le mettre un peu moins cher, on fait 21 750 moins 5%. Je vais me faire, ouais, je vais me faire que 100. Donc non, je vais le mettre à 22 000. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça tombe facilement. Le tout, c'est de les choper. Après, là, franchement, en toute honnêteté, là, il est quand même 14 h. 14 h un jeudi après-midi, c'est quand même, voilà, il n'y a pas énormément de concurrence, mais ça marche surtout, c'est le soir. Le soir, vous pouvez être sûr d'en choper. Et je vous dis, vous voyez comment ça tombe facilement. Le tout, c'est vraiment de les choper. Mais c'est vraiment très simple d'accès. Et ça va forcément vous faire des bénéfices. Puisque, vous voyez, il y a pas mal de SBC intéressants. Il y a d'autres aussi. Et Skriniar, par exemple, je crois qu'il demande un joueur de l'équipe de la semaine. Non? Voilà, joueur équipe de la semaine, par exemple. Donc, même si c'est un 83 que vous chopez, ça va être intéressant pour celui qui va faire le SBC. Et puis, même si vous pouvez tenter aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de les remettre un peu plus cher, puisque je vous dis, dans les SBC, en fait, les gens ne font pas attention. Là, je ne sais pas si on en a besoin. Ouais, par exemple, ici, un joueur d'équipe de la semaine. Voilà, ils ont tout le temps en fait besoin de joueurs d'équipe de la semaine dans ces différents SBC. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager. Et puis j'espère que pour la prochaine vidéo, j'aurai récupéré mon PC. Vous reverrez ma petite tête en vidéo, mais ce sera mieux, ce sera beaucoup mieux. Là, franchement, il tarde. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end. Salut!